Bonjour Maggie et bonjour Laetitia. Bonjour. Voilà Maggie, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Chantez, Maggie. Enchantée. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Oui. Alors, j'ai vraiment une grosse terreur de l'enfermement, de rester bloquée, donc claustrophobie. J'ai un gros brouillard mental. Donc vraiment difficulté pour organiser, avoir les idées claires. J'ai une gêne au niveau des oreilles, des sifflements et une grosse impression d'oreilles complètement bouchées. Les deux oreilles. Alors oui. C'est aléatoire, hein. C'est une fois l'une, une fois l'autre. D'accord, mais Le côté okay. gauche est très pris au niveau de la mâchoire et de l'oreille. Donc très pris jusqu'à la mâchoire alors. Ah oui. Alors, j'ai la mâchoire énormément contractée depuis cet été. Tout est chronique hein, quand je vous parle de tout ça. Avec la gorge très nouée, j'ai eu beaucoup de vertiges. Alors attends, mâchoire très contractée, je ne suis pas 8, hein. Voilà. Donc tu me disais, après la mâchoire. Gorge, vraiment, je la sens comme contractée. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer mes ressentis. Je me sens vraiment bloquée au niveau de la parole et comme parfois une boule d'angoisse. Angoisse, d'accord. Ensuite, hein. Ça m'arrive d'avoir des vertiges. Oui. Douleur dans le dos. Donc j'ai fait 6 mois de kinésithérapie et finalement la douleur ne passait pas. Alors l'année dernière, en juin, j'ai fait une sieste un après-midi. Et pendant ma sieste, j'ai senti comme si on m'enfonçait une scie vraiment tranchante dans l'omoplate droite et j'hurlais de douleur et bah, la douleur m'a réveillée. Donc, c'est tranchant, tu me dis à quel niveau? Au niveau de l'omoplate droite. Omoplate droite, ok. Et là, bizarrement, ça fait une semaine que je n'ai quasiment plus de douleur. Là, c'est tout situé vraiment au niveau de tout le long de la colonne vertébrale. Et j'ai beaucoup moins cette gêne depuis une semaine. Donc, voilà. Donc, c'est pas que l'omoplate, c'est aussi Ah la oui, colonne. par contre, c'est diffus dans le dos. J'ai des douleurs qui reviennent chroniquement. Plus de joueurs depuis une semaine. Ok. Beaucoup plus légère. Ok. Ensuite. Alors, j'ai le ventre constamment gonflé, comme un peu, j'ai un petit ventre souvent dur et gonflé. Oui. J'ai un dérèglement de la thyroïde depuis la naissance de mon fils, où il y a eu séparation avec le papa en même temps que la naissance. Donc voilà, je suis sous médicaments depuis 9 ans par rapport à cette thyroïde et j'ai des reflux gastriques, donc vraiment comme une inflammation dans l'œsophage. Donc depuis 9 ans. L'inflammation œsophage. Ouais. Ok. C'est bon. Ensuite. Alors, je fais beaucoup d'angoisse, de stress, des fois pour rien, enfin pour tout et rien, quoi. J'ai tendance à être très angoissée et stressée et des peurs.
Oui, ok. Voilà. Autre question pour la santé? Alors, je ne sais pas si c'est encore dans la santé ou pas, mais j'ai vraiment une gêne au niveau alors de tout ce qui est utérus, enfin chakra pour moi sacré et racine. En fait, je ressens comme un vide, un trou au niveau de l'utérus. C'est des ressentis. D'accord. Voilà. Oui. Et parfois, grosse timidité, gênée d'être devant de nouvelles personnes. Et tout ça, c'est très chronique, hein. Parfois, ça va aller et parfois, je vais être dans un état où je vais avoir du mal à contrôler, mes émotions. OK. Ouais. Voilà, je crois qu'au niveau de la santé, on a fait quand même pas mal le tour. Au niveau des questions, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à me détacher du papa de mon petit garçon. Et c'est C'est pénible. lui qui est parti ou c'est toi? C'est lui qui est parti, peu de temps après la naissance de notre fils. Mais il a fait beaucoup de aller, enfin, il vient, il repart, il vient, il repart, et du coup, c'est compliqué. D'accord. Donc il encore aujourd'hui, il vient, il repart, c'est ça? Beaucoup moins maintenant. Ça a été beaucoup plus dans les débuts. Parce que ça Okay. fait 9 ans que c'est terminé quand même. Ok. Alors, ta deuxième question. Alors j'ai un gros manque de fluidité dans ma vie. Donc j'ai déménagé l'année dernière. Et en fait ici tout était bouché au niveau de. En fait mon fils a beaucoup de rendez-vous médicaux. Et en fait, je dois l'emmener à tous ces rendez-vous. Donc, c'est vraiment, au niveau de toutes les sphères, c'est vraiment très bloqué, quoi. Au niveau du travail pour moi, enfin, là, pour l'instant, je suis vraiment dévouée à mon petit garçon. Là, j'ai un appartement, du Donc coup, il y a. tu veux dire que depuis que tu habites ici, les choses sont bloquées, c'est ça? C'est pas fluide, oui. C'est. Ça Et continue, oui. là où tu habitais avant, c'était plus fluide? Pas du tout. Ah. Et en Donc fait, les choses. j'ai déménagé pour changer de vie, recommencer. Et ça. Voilà, bon, j'ai dû quand même faire le deuil de ma famille. Je me suis quand même éloignée. Donc, émotionnellement, ça a été quand même un petit peu difficile de tout recommencer. Donc voilà, bon, là pour l'instant, en fait, j'ai le sentiment comme si j'avais un peu abandonné de me dire, bon, je me dévoue à mon petit garçon et moi, quoi que je fasse, en fait, c'est pas fluide et du coup, en fait, j'ai l'impression que ma vie est trop lourde pour moi. En gros, clairement. Ta troisième question. Alors, je ressens beaucoup de tristesse depuis toute petite. Je me demande ce que je fais là. En fait, je ne suis pas à l'aise dans mon corps. OK. Ensuite, quatrième question. Je pense que là, on a fait un petit peu. Fais le tour. Bah, alors, j'ai une question. Pareil, c'est un ressenti. Je me pose la question si j'aurais pas eu d'attouchement durant l'enfance. J'ai eu des images qui me sont venues et du coup, et comme je ressens cette gêne, je me demande si. Si c'est D'accord. mon mental ou si c'est réel.
Est-ce que ça te donne des difficultés par rapport à ta sexualité ou tes rapports sexuels? C'est le néant. Ah bon? Non, Quasi. mais le néant, parce que là, tu n'es pas en couple. Mais Mais... oui, je suis seule. Oui, Non, mais non, sinon j'ai. tu es en couple. Oui, il n'y a aucun problème. Oui, Alors oui. voilà, ok. Ah, oui, non, non. Non, c'est que Oui, je suis ok. seule depuis un petit moment, quoi. D'accord. Bien. Donc, c'est juste une question que tu te poses parce que tu as des vagues souvenirs, c'est ça? J'ai des vagues souvenirs et, comme je vous dis, une sensation étrange au niveau de cette sphère. D'accord. Ok. Bon, eh bien, écoute, si tu veux, on va passer aux invités, puisque tu sembles avoir fait le tour de tes questions. Alors, à part ton fils, qui invite-t-on alors? Alors, à part mon fils, donc mes parents. Tu as déjà des frères et sœurs? Ah oui, beaucoup. Le père de ton fils, on invite un? Oui, avec sa famille. Donc, son père et famille. Voilà. Après, donc, tu as combien de frères et sœurs? J'ai deux frères et quatre sœurs. Deux frères, quatre sœurs. OK. Et leurs familles respectives, je suppose. Oui. Voilà. Après, donc, tes parents, les deux parents sont encore ensemble? Non. Ils ont refait leur vie? Oui, plus ou moins. Ils ont eu des enfants, en tout cas. D'accord. Donc, tes parents et leur famille, hein? Oui. Hein, puisqu'ils ont refait. Ok, après on dit famille en général pour simplifier. Oui. Voilà. En général, des amis, amis de cœur, Oui. relations. Oui. Et connaissance. Voilà. Alors, amis de cœur, connaissances et relations. Tu as des animaux? Alors, j'ai un chien qui est actuellement dans l'élevage de ma maman. Et ma maman a énormément de chiens. Et il y en a pas mal dans la famille. Donc, tous les Bon, animaux. les animaux de tout le monde, comme d'hab, hein, Oui. voilà, tous sont invités pour la douche, bien sûr. Voilà. Et pour être deux désincarnés, qui choisis-tu alors? Alors, mon grand-père et ma grand-mère maternelle. Grand-père maternel et grand-mère également maternelle. Bien. Eh bien, écoute, on part pour ton aventure. Je te laisse couper le son et nous y allons. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 310, Je te laisse augmenter. 42 000. 42 000. À 42 000, tu te sens hors de portée et en sécurité? Bien, connecte-toi à moi et dis-moi comment tu me vois. 380. Parfait, je m'aligne sur toi. Oui. Et je te laisse te connecter sur Maggie. Dis-moi comment tu l'aperçois. Alors, comment je vais expliquer ça? Au niveau de sa tête, il y a comme un filtre. Et tu sais, ça ressemble à des... Quand tu regardes une radio, ouais. C'est une sorte de filtre en fait qui est posé parce que je vois en fait comme si c'était une radio. Sur le Je vois visage, tu veux dire? exactement sur son visage. Ah oui, comme une radio, d'accord, une radio, ok. Oui, comme une radio de... Tu sais, on voit bien, on voit les os en fait. D'accord. Moi, j'ai un peu bleuté et noir, tu sais, dans les radios, que l'on se fait sur les os, voilà. En fait, c'est comme un filtre qui est posé. Alors, attends, je vais regarder derrière, parce que c'est juste, comme si devant elle, c'est juste devant, en fait, c'est vraiment devant son visage qui est comme ça collé. Elle a comme. Un fil électrique en fait. Alors en partant de. Alors attends, j'observe exactement. Ah oui, c'est à l'intérieur. Il y a un fil électrique qui part en fait, on va dire, de la gorge, un Du peu juste au-dessus. larynx, c'est ça ou... Ouais, juste un peu au-dessus. Ouais, c'est ça, c'est la larynx là. Donc je vois en fait le fil électrique qui passe à l'intérieur d'elle-même jusqu'à l'ancrage.
l'ancrage artificiel, en fait. C'est un ancrage artificiel qui est créé. Et c'est ce Donc, tu veux dispositif. dire jusque sous les pieds, tu veux dire, c'est ça que tu veux dire? Oui. Et sous les pieds, il y a une sorte de plaque magnétique, si j'ai envie de dire, comme ça. Donc, qui lui provoque cet ancrage artificiel. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ce fil électrique qui remonte et ça éclairait, entre guillemets, mais comme une sous-forme de radio, sa tête, en fait. Et qu'est-ce que ça lui crée comme problème, ça? Alors, des organes. Alors, problème. Alors, il y a un problème de regard sur soi, j'ai la sensation. C'est-à-dire qu'elle a du mal à se positionner, à savoir qui elle est dans son identité. Puisque ce n'est pas vraiment elle, elle a cette radio-là. Enfin, c'est une perception en fait d'elle-même qui n'est Alors, pas de réelle. son identité et de son image ou pas, ou seulement d'identité? Alors, j'ai pas compris. Image et De identité? son identité et de son image, ou que de son identité? Non, son image aussi, en fait, elle n'arrive D'accord. pas à se reconnaître. Comme il y a ce filtre-là qui est posé, en fait, elle n'arrive pas à se reconnaître. Alors, je te pose la question, puisque quand je lui proposais d'être en clair ou non, elle disait qu'elle avait un problème avec son image. Ah, Donc, d'accord. c'est pour ça que je te pose cette question. Est-ce que ça a à voir avec ce filtre? Oui, exact. Voilà. Il y a un manque de. Ouais, elle n'arrive pas à se reconnaître aussi. Et puis aussi dans son identité, mais ça c'est aussi par rapport à son ancrage artificiel, parce qu'elle n'est pas D'accord. complètement ancrée. Donc là, j'ai les corps Alors, subtils. attends, excuse-moi. Le fil électrique qui part du menton, enfin de la gorge, jusqu'au pied, il passe dans le dos ou il passe devant elle? Non, devant. Alors, entre le dos, au milieu, en fait. Je veux dire, Au milieu, ouais. d'accord. Que vois-tu d'autre? Disais donc c'est les corps subtils qui sont pris là-dedans jusqu'au plan mental. La partie subliminale est à l'extérieur de ce dispositif. Elle y est angoissée d'ailleurs. La subliminale est angoissée. Oui. Donc elle est à l'extérieur. Et angoissé. Oui. D'accord. Ok, alors c'est parce que j'ai eu une information entre-temps qui n'est pas encore, c'est pas encore maintenant, c'est après. Oui, les entités, oui, je préfère à Voilà. la fin. Ouais. Alors, donc je continue de scanner. Alors, il y a des sortes de petites papillotes, oui, dis-moi. Non, vas-y, vas-y. Des sortes de petites papillotes qui sont postées sur la colonne vertébrale, alors je dirais depuis le haut. Alors, des papillotes, c'est des sortes d'implants, comme ça, j'appelle ça des Ben oui, papillotes. j'ai compris, ouais. Donc en haut ouais, au niveau des épaules, je dirais, donc de la colonne, hein, ça part. Ouais. 1, 3, 4, 5, quand on descend jusqu'au milieu du dos, à peu près. D'accord. C'est comme s'il tentait, alors c'est parce que je voyais sa colonne vertébrale se plier comme ça en deux. Et en fait, ces implants-là, on va dire, tentent de la redresser. Comme elle est dans un ancrage artificiel, on essaye toujours de la stabiliser en fait. Alors, D'accord. la glande pinéale, il y a un système GPS qui est là. OK. Et plus que ça Ça lui crée clignote. quel problème, ça, le GPS, la pinéale? Alors, le terme désorganisation mentale, brouillage mental, quelque chose comme ça. Donc, le fameux brouillard dont elle parle. Dont elle parle, oui, il y a la perte des repères aussi dans l'espace, j'ai envie de dire, sa 3D, quoi. Voilà. Oui, perte de repères dans l'espace. Dans l'espace 3D, hein, je précise, dans sa manière. D'accord. Alors, niveau. Alors, ça me fait bloquer sur le coccyx parce que, en fait, c'est par rapport au chakra racine. Il y a une fuite d'énergie. En fait, je le vois en arrière. Je le vois dans le dos au niveau du coccyx.
Et ça perd, il perd des particules, des énergies de lui-même, le chakra racine. D'accord. Et il le perd, c'est-à-dire que c'est pompé et aspiré ou Oui, c'est perdu simplement par fuite perdu par fuite. C'est pas récupéré. Exactement. C'est pas D'accord. récupéré. Et qu'est-ce qui provoque cette fuite d'énergie? Alors, je regarde parce qu'il y a quelque chose qui est caché sous son coccyx. Dans la dernière petite millimètre de la queue de la colonne, il y a un truc qui est caché, une sorte de. Qu'est-ce que c'est alors? Il faut que j'aille chercher ça. Parce que je vois que c'est comme une puce, mais comme du plomb, du titane. On va chercher le mot. C'est bizarre, hein? Comme est placé en fait caché en arrière de l'os, comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'il est caché? Alors pourquoi il est caché? Alors, pour pas qu'il soit vu. D'accord, alors qu'est-ce qu'ils ont caché? C'est quoi cette puce, sa fonction? Alors là, c'est pour les phases qui viendront après, en fait. Ce sont des. C'est pour la suite, en fait. Ah, pour la suite. Ouais. Pour la suite de quoi? De leur opération ou la suite de notre séance? De l'opération, de la. D'accord. Ok. Et ça lui cause un problème, là, cette puce sous le coccyx? Ça provoque donc cette fuite d'énergie en arrière du chakra racine. Et Ça vient plomber en fait son entrejambe. Enfin, je sais pas comment expliquer au niveau de la physicalité. Ça vient plomber en fait l'aine. L'aine est on va dire est la hanche. Je sais pas. Il y a quelque chose qui plombe, qui densifie, qui d'accord. est au quotidien. Ouais, c'est gênant. Pour l'instant, voilà, c'est ça que ça fait. OK. Ça, c'est bon. Ah, je continue. Vas-y, vas-y, nous t'écoutons. Donc, j'ai vu la plaque, ouais, sous les Sous les pieds. pieds. Voilà. Tout fait, tac. Bon. Oui, le plexus, c'est un peu au ralenti par rapport en fait, à sa situation. En fait, comme il y a le fil électrique qui passe entre, Ça ça. agit surtout des chakras, non? Exactement. Donc, il y en a certains qui, ne sont pas trop impactés, mais il y en a d'autres, là, oui, je viens de voir le plexus, par exemple, qui est plutôt au ralenti. Et quels sont ceux qui sont le plus impactés alors, à part le plexus? Les plus impactés, j'ai au niveau du troisième œil. Par rapport à ce dispositif-là et ce filtre. Donc le chakra racine ici, il est impacté aussi. Et voilà, cela, un peu la gorge aussi. Un tout petit peu. Un peu dans la gorge. Laryngée, ok. Oui. Bien, si tu la scannes encore, vois-tu d'autres choses? Non, c'est bon. C'est bon, j'ai fait le tour là. Ok, dans le système neuronal, il n'y a pas d'implant, il n'y a rien à trouver là. Dans le système neuronal, non. C'est des conséquences pour le Ok. système neuronal. Donc, il y a que la pinéale qui a le GPS, c'est ça. Oui. Alors, on va regarder qui est derrière tout ça alors. Oui, c'est des fourmis. Ah, des fourmis. Tu en vois combien? Il y en a une dizaine sur les opérations. Il y a une dizaine parce qu'elles se relaient et parce qu'il y a des opérations elles sont pas forcément en lien direct avec Maggie, mais elles sont quand même là à surveiller les opérations. D'accord, ok. C'est quoi leurs objectifs alors? Qu'est-ce qu'elles cherchent à faire avec Maggie? D'ailleurs, j'ai eu le terme des opérations de lynchage. Je sais pas pourquoi. Ah bon? Opération de lynchage. Bah regarde, prends l'information. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme. C'est-à-dire qu'ils veulent. Pour pouvoir la dompter,
La maltraiter. Ils veulent la maltraiter, la dompter. Donc, alors comment ils s'y prennent? Parce qu'il y a, donc, effectivement, déjà, pour la maltraiter, c'est par rapport au filtre, ce qui lui donne un, comment dire, dans sa 3D, elle se sent déjà pas elle-même, en fait. Oui, une dévalorisation de son image, voilà. Une perte d'identité, un rejet de soi-même, en gros, c'est ça, de son image. Hein? Oui. Ok. Donc ça, ça fait partie de la maltraitance? Oui. Qu'est-ce qu'elles font d'autre pour la maltraiter? Bah, elles en sont à cette phase-là et la puce, justement, qui était cachée, c'est la deuxième phase. Après, c'est une fois qu'elle est domptée, c'est-à-dire facile à... je dirais, je sais pas comment... À utiliser, on va dire. Ouais. Hein, soumise et non rebelle, quoi. Ouais, vraiment à utiliser, oui, c'est ça. Au niveau et de... Voilà. Donc, c'était quoi, l'objectif final, alors, une fois qu'elle est domptée, qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Ils veulent en hybrider ses corps subtils. Qu'ils ont enfermé là, dans ce dispositif. D'accord, ça c'est la deuxième phase alors. Oui. Lesquels corps subtils les intéressent? Lesquels ils veulent hybrider? Les tout premiers proches du physique. D'accord. Pour arriver à aussi se densifier. Pas forcément sur Terre, mais ils veulent se densifier aussi en 3D. Donc l'éthérique, l'émotionnel et le mental? Oui. D'ailleurs, il y a une jubilation quand tu as dit plan mental. J'ai senti une jubilation. C'est le plan mental aussi qui les intéresse bizarrement. Comme si ça leur donnerait plus d'intelligence. D'accord. Ok. Et donc pour ça, ils font modifier son ADN. Non, pas encore. Ils sont au stade de maltraitance. Ok. Ils en ont prélevé? Non. Non plus. Bien. Donc leur objectif, c'est de s'hybrider, donc d'hybrider les corps subtils. C'est pour quoi faire en fait? Qu'est-ce qu'elles veulent faire exactement? Pour passer en 3D. D'accord. Et donc se créer des corps équivalents aux humains, c'est ça? Avec oui. Leurs caractéristiques pour s'y incarner en 3D. Se sentir ouais, plus intelligente. Se sentir plus intelligente? Oui. D'accord. Bon, alors depuis quand est-ce qu'elle sentait avec elle la toute première fois? 1, 2, 3, tu y vas. Six incarnations. Comment s'est produite la première fois? Alors, je dirais qu'elles apparaissaient dans des rêves jusqu'à la désincarnation pour l'amadouer. Sous quelle forme elle lui apparaissait? Sous des formes bienveillantes, maternelles, je dirais. Je vois beaucoup de femmes, des figures féminines. Puis c'est une jeune fille en plus. Une jeune fille, c'est comme si cette jeune fille-là, elle manquait d'amour, comme si elle manquait d'attention vis-à-vis de sa mère, enfin, de la figure de sa mère en général. D'accord, à quel âge cette jeune fille? 16 ans, à peu près. Ça a commencé là. Ok, on est dans quel pays là et quelle époque à peu près? On est en Occident, je dirais en Espagne, et en l'époque 1400, ça me vient. D'accord, ok. Qu'est-ce qui fait qu'elle a un manque d'amour et d'attention? Qu'est-ce qui se passe avec ses parents, sa famille? C'est culturel, on va dire. Ouais, d'accord, ok. Donc, elles en profitent pour se présenter dans ses rêves. Donc, figure maternelle et bienveillante, pleine d'attention, évidemment. Et la désincarnation, qu'est-ce qui se passe?
La désincarnation, elle leur tend la main et elle les suit pour se sentir rassurée, se sentir aimée et aller vers un autre royaume, voilà ce qui me vient. Et D'accord. là, elle se fait embarquer dans le dispositif directement. D'accord. Bien, je suppose que depuis lors, c'est elle qui gère ses incarnations. Oui. Est-ce que c'est elle également qui choisit ses lignées? Oui. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Meggy prennent conscience et connaissance de cette supercherie et de leurs conséquences. Oui. Ça fera partie donc de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce qu'il y a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 24. 24 vies humaines dans cette boucle. Ok. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Oui, j'observe une planète en cinquième dimension, mais de couleur verte, je dirais. Elle est humanoïde, polarité féminine. Attends, cette planète, elle se situe où? Dans notre univers ou un autre? C'est dans notre univers, le nôtre. D'accord. Dans une des constellations connues? Non, je ne connais pas. Justement, je cherchais le nom, mais le nom apparaissait bizarrement, donc j'avais du mal à le décrypter. C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps. Donc, l'humanoïde ressemblerait à une sorte de fée, mais on ne peut pas les qualifier hein, de fées, c'est juste pour donner une idée. Elles ont des ailes, oui, mais elles sont Des qualifiées. ailes comme des papillons, comme des libellules, comme des chauves-souris, comment tu vois? Non, c'est des toutes petites ailes, ce sont des caractéristiques qu'elles ont. Elles s'en servent pas forcément, c'est juste une caractéristique. D'accord. Pas Des petites forcément. ailes transparentes ou plutôt Quand elles colorées? ont des... Pardon. Oui. Des petites ailes transparentes ou colorées comme des papillons, comment tu les vois? Non, c'est transparent. D'accord, comme des libellules alors. Oui, exact, ça brille. Elle a des petites antennes, Ouais. comme ça. C'est assez grand comme être, hein. C'est assez long. Grand, c'est combien? 1,50 m. D'accord. Voilà. Elle a une sorte de sceptre à la main aussi. Ok. Il a une fonction particulière, ce sceptre. Alors, j'ai le terme définition, donc j'essaie de comprendre pourquoi j'ai ce terme-là. Il définit la parole, je dirais. Il définit. Alors, il y a aussi de la végétation, mais c'est très énergétique, hein. Je vois de la végétation énergétique. Donc, elle communique avec les végétaux qui sont en place. Elle crée aussi des végétaux, je dirais. Végétaux énergétiques. Une créature. Elles vivent en communauté. Ah ouais, donc j'ai revu les noms des lettres de la planète. C'est imprononçable. C'est même. Oui, c'est pas dans notre langage, donc c'est pas le plus important. On n'est pas obligé. C'est juste. Ouais, juste que c'est réapparu. Et en fait, il y a quelque chose qui fait qu'elle part de sa planète. Il y a comme un message qu'elle aurait reçu. Ouais, j'ai encore ce terme-là pour définir avec son Alors, sceptre. qu'est-ce qu'elle définit avec son sceptre alors? Ouais, finalement, c'est des créations. Elle définit. Voilà, elle façonne. Elle termine comment je peux dire ça? Une création en fait. Par exemple, la création d'un végétal, elle va faire des finitions. Ou elle va les améliorer.
Elle va arriver sur la touche finale, en fait. Ok, donc ce sceptre a une fonction énergétique, c'est ça? Oui, exactement. Parce qu'elle fait ça déjà avec ses propres environnements, mais elle fait aussi, ça définit la parole, c'est-à-dire que elle, comment dire, ce sceptre avec la parole, elle trouve le mot exact pour affiner en fait sa création. Ah, c'est sa baguette magique. Oui, oui, c'est sûr. Bien, ok. Et donc, quand tu me dis qu'elle reçoit un message, d'où est-ce qu'elle reçoit ce message et qu'est-ce qui se passe alors? Alors là, j'ai le terme Gaïa qui me vient là sur le côté. Ah, de Gaïa, c'est un appel de Gaïa? Oui, de la conscience. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe pour Gaïa, pour qu'elle l'appelle? Elle capte. Alors pour Gaïa, en fait, c'est par rapport à la construction en fait de la planète Terre. Ok. À ce moment-là, Gaïa est dans quelle dimension? Entre la cinquième et la quatrième. Et ça agit sur la quatrième aussi. Et la cinquième aussi. Il faut qu'elle vienne donc faire les finitions, justement. Ok. Pour faire les finitions, quoi? Ajuster. Si. Énergétique des végétaux, enfin de l'environnement, mais des végétaux et de l'environnement, je dirais. Un peu des deux. D'accord. Et donc, elle se déplace comment pour y aller alors? Je la vois partir seule dans son corps de Merkaba. Comme une fusée, quoi. C'est plutôt un déplacement quantique ou pas? Dans son corps de Merkaba ou quantique, c'est quand tu sautes dans... Elle saute, elle arrive immédiatement dans l'instant, dans l'espace choisi. Non, c'est pas quantique, parce que j'ai l'impression d'avoir comme une fusée. Elle part. Ah. Elle fuse comme ça. Mm. Pas directement. Nous avons... Ok, donc quand elle arrive dans l'espace terrestre, qu'est-ce qui se passe alors? Elle se met à l'œuvre avec d'autres êtres qui sont venus de partout. Quel type d'être? Les autres êtres. Oui. Il y a des élémentaux. Il y en a qui sont en cinquième dimension, en quatrième. Et elle reste en quelle dimension là? Pour l'instant, elle est en cinquième. Mais je vois déjà qu'il y a une phase 3 qui va s'activer pour aller en quatrième dimension. Donc elle va pouvoir y accéder. Pour continuer son travail, définir. D'accord. Ok. Et ensuite, alors que se passe-t-il? L'entrée de la fausse matrice. Donc là, ça se situe sur combien, sur quelle période à peu près de nos années ou de nos siècles là? Trop long. C'est long. Éons, comme on dit. Des éons, d'accord, ok. Et des éons, donc, elle arrive au moment où la fausse matrice commence à s'installer? Oui. Et qu'est-ce qui se passe pour elle, là? C'est comme si elle perdait de sa vitalité, donc son énergie vitale, comme si elle se fanait, entre guillemets. C'est difficile pour elle, en fait. C'est comme si elle avait des difficultés à respirer. Et donc, elle ne pouvait plus s'enfuir, on va dire, partir. Mmh. Et donc, elle reste là à perdre beaucoup, beaucoup d'énergie. Elle n'arrive pas à se reprendre. C'est comme si elle devenait malade. Mmh. Donc, elle se dégrade, quoi. Elle se dégrade, oui. Et ensuite, elle se laisse recycler, en fait, par la matière. Elle est inspirée dans les roues d'incarnation? Exact. Ok. Et sa première existence sur Terre en 3D, alors, elle c'est sous forme humaine ou pas? Moi, j'ai des formes végétales, par attraction, en fait, de ce qu'elle fait. Oui. Quel type de forme végétale, alors? Quel type de végétaux? Des sortes... C'est plutôt des espaces. Comme des champs. Des espaces de forêt, je dirais. Ouais, c'est toujours herbacé, on va dire. Le type herbacé.
D'accord. Tu veux dire qu'elle est, elle prend la conscience d'un champ complet, c'est ça que tu veux dire? Ce n'est pas la conscience d'un brin, c'est la conscience du champ complet? C'est ça. D'accord. Herbacée. Oui. Et ensuite, donc, dans son cursus, jusqu'à la vie humaine, elle revêt d'autres formes? Non, que des espaces végétaux jusqu'à que elle prenne conscience. C'est comme si elle avait perdu son identité, en fait. Elle savait plus du tout ce qu'elle faisait là, en fait. Et à un moment donné, dans les roues d'incarnation, elle se propose pour. Enfin, elle se propose. Elle décide d'aller vers l'incarnation humaine. D'accord. Donc, elle a toujours revêtu des formes d'espace de champs herbacés. Oui, enfin, je dis des champs herbacés, oui, mais c'est différent. Il faut imaginer que c'est différents climats, hein, différentes herbes, différents D'accord. climats. Ok. Toujours herbacé, il n'y a pas d'arbres, de lianes, de choses comme ça. C'est toujours Exactement. toujours graminées ou des choses comme ça. Oui. Bien. Donc, la première incarnation humaine, c'est celle qu'il l'a choisie alors. Oui. Et donc là pour la curiosité, où est-ce qu'elle s'incarne, sur quel continent, sous quelle polarité? J'étais en train de bloquer une montagne. Alors, elle est féminine. Elle était féminine dans. Bah c'est en. Tu m'as dit quoi? Au niveau de la France, je dirais. Proche D'accord. Ok. de la montagne, des grottes, je sais pas. Mais je sais que c'est en France. Enfin, c'était. D'accord. Quel genre de vie est là? Plutôt primitif. Bon, ok. Bien. Bon, on va faire tout l'historique, c'est pas le but, hein. Donc maintenant qu'on en savait plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui. Voilà, si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles. Non, c'est bon. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, s'il est entièrement issu de son essence et s'il a été trafiqué ou pas. Non, c'est le sien, pas trafiqué. Demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord. En son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. Un, deux, trois. Oui. Alors, à part ces fourmis, qui vois-tu d'autre? Il y a des opportunistes, les entités démoniaques, qui se sont carrément installées sur le plan émotionnel, qui appuient sur des failles existantes comme la tristesse et la perte d'identité aussi, et des angoisses de temps en temps. D'accord. Ensuite, qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Tu vois des parasites? Non. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archiavélique. Tout dispositif, vu et pas vu. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Meggy se place dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure.
Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Meggy à présent? Il y a comme un soulagement intérieur. Bien. Alors dis-moi comment réagissent ces entités. Donc elles l'ont perdu de vue et là elles ouvrent des vortex et j'ai eu le terme parallèle dans des dimensions parallèles. Des lignes parallèles? Oui. Bien. Bon, déjà, on va tout bloquer sur tous les plans, comme elle reste sur image. 1, 2, 3. Oui. Voilà, tu vas revenir en arrière, tu te positionnes à un moment juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose. Oui. Et là, tu ouvres un portail et on vire tout sur tous les plans. 1, 2, 3, comme précité habituellement. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle énergétique de Meggy, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces énergétiques. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, le reflet miroir, sur toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose en arrière-plan. Non. Bien. Alors maintenant, dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Ouais, elle déploie des lignes de temps cette fois-ci. Dans les Combien est-ce que tu en comptes? 8. 8 lignes de temps. Ok. Et dans combien de dimensions? Sur 4. Alors on ouvre un portail et on vire tout. 1, 2, 3, sur tous les plans, comme précité. Oui. Tu refermes, tu les fasses. Oui. De quelle manière elles produisent, elles ouvrent ces lignes de temps? Comment elles s'y prennent? Avec leur machine dans leur vaisseau. Ah, ils ont une machine. Ok. Donc, on va griller la machine. Ok. Tu fais une puissante décharge, on fait un gros court-circuit et on grille tout à l'intérieur. T'es ok? Oui. Allez, 1, 2, 3. Oui. Voilà, comment réagissent-elles? Elles sont en panique, puisqu'elles n'avaient pas vu venir. Ok, alors dis-moi maintenant si elles ont des moyens de la retrouver, de la repérer. Plus maintenant, elles ne s'en préoccupent plus et doivent réparer leur machine. D'accord, mais projette-toi dans le futur, au moment où elles ont réparé leur machine, dis-moi si elles ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, elles ont des données de GPS. Voilà. Elles sont stockées où ces données? Dans des puces de sauvegarde que je vois par là. Ok. C'est multidimensionnel? Oui. C'est quantique et c'est fractal? Oui. Alors tu vas tout griller sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Regarde, il reste quelque chose quelque part? Non, c'est bon. Bien. Alors dis-moi si à présent, elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non, je ne vois plus rien. Alors, regarde si elles ont anticipé la séance et si elles n'ont rien dissimulé. Non, on a fait les sauvegardes. On vient de détruire. Non, c'est bon. Enfin, j'ai plus rien qui s'active. Je me sens assez calme aussi. Eh bien, c'est parfait. Alors, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, et il est en observation. Ok. Comment tu vois son âme? Elle se sent libérée, mais encore un petit peu angoissée quand même. C'est normal, on n'a pas terminé. Comment tu vois sa subliminale? Ça va beaucoup mieux, elle se sent soulagée en fait de pouvoir récupérer ses autres parties. Alors on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf.
avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour de soi. Est-ce qu'elle est OK pour ça? Oui. Alors, on y va. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, de cet espace morosel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Maggie pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et bien sûr l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode de dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Maggie. De vivre cette incarnation pleinement et de pouvoir en définir tous les aspects en fait, de cette incarnation. Si elle faisait, elle prenait toutes ses expériences intensément. D'accord. Tu veux faire l'expérience de tous ces aspects? Oui. Mais les définir aussi, surtout. Les ajuster. D'accord. C'est ce que tu appelles les définir, les ajuster? Oui. Bien. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là, à la source? 98%. Bien. Donc, tu l'invites à monter à 100%? Oui. À présent, elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Dis-moi, comment tu le vois? Il y a comme des traits qui le transpercent de verticalement, comme ça. Donc, les deux côtés, c'est les deux polarités. Ce qui a pour effet de déstabiliser l'arbre. Quand je dis des traits, c'est des fissures. Voilà, cherchez le mot. Il est fissuré, l'arbre. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Alors, les fissures, ouais, ça déstabilise. Ça, alors, la communication, elle est parfois en saccadée, entrecoupée entre les consciences. Ils ne se comprennent pas. Entre polarité, tu veux dire? Entre les polarités et les consciences, de toute façon. Elle, d'accord. Dans tout l'arbre, il y a ce problème de communication, c'est entrecoupé. Vas-y. Bon, je dis voilà. Bon, comment est-ce que tu vois que ça impacte Maggie particulièrement? Justement, elle n'arrive pas à trouver sa place. Elle ne se sent pas à sa place. Elle cherche, voilà, entre deux fissures à se placer, mais c'est difficile pour elle. Bien. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 55. 55. Qu'est-ce qui se passe-t-il à ce moment-là? Des entités démoniaques qui jouent avec cet arbre, justement à le fissurer, au sortir des roues d'incarnation. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On complète ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? C'est comme s'il se revitalisait. Et toutes les consciences, elles s'observent, les consciences.
qu'elle comprenne maintenant que pourquoi elle ne se comprenait pas avant. Et maintenant, elles arrivent à s'observer, à se comprendre. Parfait. Comment tu vois que ça impacte Maggie? Elle n'est plus gênée pour prendre sa place dans l'arbre. Donc, elle est, je dirais qu'elle est heureuse, là, de prendre sa place, justement. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour chacune des âmes de sa lignée? Oui. Allons-y. Oui. Bien. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pleine et concrétise. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 12% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien. Alors à présent, on va s'occuper de son ADN. Donc, que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à neuf. Donc, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Et elle le recrée avec le gabarit de la deux créations dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu des 10, combien sont connectés et combien sont activés? J'en vois 5. Il y en a 4 de connectés. Est-ce qu'elle peut connecter la cinquième? Oui. Allons-y. C'est bon. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également. Dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Stabiliser et renforcer sa base énergétique. C'est fait. Bien. Alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ceci, comme d'habitude, on va le faire en privé. Alors, l'élimination des codes matriciels limitants ayant été faite, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Normal. Donc, elle remplace toi avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de ciseaux et d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 87%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure, une parfaite estime de soi et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, donc autre point, donc elle éprouve beaucoup de tristesse depuis qu'elle est toute petite, elle se demande ce qu'elle fait là. Bon, maintenant, est-ce que c'est clair pour elle ou il y a des précisions à lui donner? Tu m'entends?
Laetitia? Allô, allô? Je crois qu'il y a un problème de connexion. Et je vais conseiller à Miguel d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Rompre avec les lois matricielles et archaïques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquence à été, dans les mêmes conditions que précitées. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêche, entrave, limite sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non. Alors, elle intègre tout ça dans ses différents états de conscience. Oui. Et elle déclare: je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute: j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, pactes, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons aborder la dimension psychologique. Si tout ne concerne pas Maggie, tout y est proposé. C'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance
pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe, et des meilleurs. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne à tous et pour tout, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elle ne conserve bien sûr que ce qu'elle estime juste et bon pour elle, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelques traçages de marquage matriciel ou archaïque ou tout autre moyen de la repérer. Non. Alors elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine. Elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Tu me dis quand c'est fait? C'est bon. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, ses fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lémiscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. Les différentes particules quantiques mères aux différentes particules quantiques primordiales. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise.
Oui. Installation de programme anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires de toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre la vacciculation. Oui. Et un contre les vacciculés, quelles qu'en soient les versions. Oui. Que chacun de ces programmes soit stabilisé et indestructible. Oui. Pour ce faire, qu'il soit adaptable à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et de muscat activés. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. À présent, elle crée son code de vie et l'active également. Oui. Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Tout d'abord, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Et je vais conseiller à mes guides de visualiser, imaginer, ressentir au maximum, dans la mesure de temps possible, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur dorée qui vient englober son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles ainsi que les organes et systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Voilà. Et pour ça, nous allons utiliser le gabarit de l'archétype originel et abouti. Donc, et bien sûr, c'est des cas spécifiques à Meggie dans la version globale et dans le détail de chacun. Donc, en prenant le système cérébro-spinal, lorsque tu calques donc, à l'archétype originel, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une sorte de copier-coller, de réinitialisation du système. Ok, et si tu veux que ça se fait globalement ? Oui, je sens beaucoup plus de puissance d'ailleurs dans le système. Et est-ce que tu vois que ça se fait aussi dans le détail ? Oui. Alors on va continuer les autres systèmes. Système nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Endocrinien, glande immunitaire et hormonale. Oui. Digestif et métabolique.
Oui. Urinaire, émonctoire, évacuation, élimination. Oui. Reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations limitantes sur tous les plans. 1, 2, 3, comme précité. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécuriser et activer. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire avec le tableau général. Oui. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. Hein. Oui. Et que chacun soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Il se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sous chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage, jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est fait. Microkiné. Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Massage métamorphique. Elle adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. Fasciathérapie. Réajustement et rééquilibrage des fascias dans toute sa physicalité. C'est bon. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. Oui. Nous abordons à présent les systèmes de chakras et les glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double lubiscate activée. Oui. Chakra secondaire idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous allons procéder à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler et tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors, on les élimine sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Envoies-tu d'autres en arrière-plan? Non. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, on va regarder les programmes de vieillissement au sein de l'ADN des cellules de sa biologie. Pour cela, nous allons utiliser la loi de l'inversion pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des cinq éléments et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui. Et voilà, donc maintenant on va regarder sa glande pinéale. Donc nous avons vu, je crois qu'il y avait un système GPS, il me semble, la pinéale. Hein. Oui. C'était la pinéale. Hein. Regarde s'il en reste quelque chose. Oui, j'ai des résidus. Ah. Alors on les élimine sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu l'autre en arrière-plan? Non, pas en arrière-plan.
Alors, on va regarder sa production de valentonine. C'est un même qui régit tous les cycles biologiques, et donc biologique, veille-sommeil, et tous les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 59%. Elle était à combien avant la séance? 38. Alors, tu la programmes à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, on va aborder ces points. Alors, le premier qu'elle a évoqué, ce sont ces terreurs de l'enfermement, claustrophobie. Regarde d'où ça lui vient. Cette sensation d'être dans ce dispositif-là enfermé, en fait. C'est la seule origine. Alors, je Regarde s'il y a regarde. une origine antérieure. Regarde, on remonte à la toute première origine. Non, j'ai rien qui s'active, en fait, dans D'accord. le Donc, c'est karma. que dans cette existence de Maggie. Enfin, que dans cette existence, depuis qu'elle est enfermée dans le dispositif, qu'elle était enfermée dans le dispositif des fourmis, en tout cas. Il y a cette perte, j'avais parlé de, ça me revient de perte de repère comme ça. Ouais. Et c'est ça, en fait, qui donne cette sensation d'être enfermée, hein, qui est angoisse, qui est très angoissant. C'est sa situation énergétique, en tout cas. La toute première fois, donc, c'est quand c'est depuis qu'elle a été prédatée par ses fourmis. Oui, c'est ça, c'est C'est exactement ça. ça, la En toute fait, première fois. ça y est, j'ai vu l'origine. C'est quand elle est désincarnée, qu'elle les suit et qu'elle va se faire enfermer en fait dans le vaisseau, dans la cale. D'accord, ok. Et donc c'est là qu'elle éprouve ce premier, cette première sensation d'être enfermée. Oui, c'est la perte de repère, justement, l'enfermement. Le fait de se sentir serré, enfermé dans quelque chose où on ne peut pas sortir, en fait, c'est surtout ça. La sensation de l'impuissance, voilà, de pouvoir se sortir. Ok. Donc elle va couper avec tout ça, elle coupe avec toutes les existences qui ont été dans cette énergie et cette situation. Ok? Elle coupe tous les liens sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant, dans l'ici et maintenant, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer? Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Et elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure, sa puissance intérieure et une paix profonde. Oui. Comment vois-tu Maggie à présent? Beaucoup plus calme. Je dirais calme et stable, c'est ce qui me vient à l'intérieur, D'accord. bien sûr, à l'intérieur d'elle-même. Alors on va faire une expérience. Tu vas aller dans le futur et j'aimerais qu'elle se trouve dans un endroit confiné, comme un ascenseur ou quelque chose qui auparavant lui créait des émotions. Et j'aimerais savoir comment elle vit cette situation. Toujours avec calme, c'est ce qui me vient. Même dans l'ascenseur, elle se sent pas compressée justement. Il n'y a pas cette sensation-là, donc elle est plutôt calme. Bien, qu'est-ce que ça les fait ressentir, cette nouvelle situation, ce nouveau ressenti? Déjà de se sentir bien, ça lui donne beaucoup de joie, de la joie et du plaisir à vivre sereinement. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui.
Elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Alors, quand elle dit qu'elle est dans un brouillard mental, regarde d'où ça venait. Alors, il y a la glande pinéale qui était prise dans son ancienne situation énergétique. Et puis, aussi, c'est appuyé par le filtre où elle ne se reconnaît pas. Bien. Donc, pour cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer ? Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Bien, alors on élimine tout ça sur tous les plans. Comme précité, 1, 2, 3. Oui. Voilà, on reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Comment est-ce que tu la vois maintenant vis-à-vis d'elle-même, de son image, de son identité ? Elle prend connaissance. Elle reprend connaissance, en fait. Elle s'observe. Et elle, c'est surtout la stabilité, en fait, que je ressens, qui est importante dans, dans l'incarnation, dans l'ancrage. C'est cette stabilité-là qui va lui donner cette image de soi. Très bien. Je suis bien, en fait. Bien. Ça lui fait ressentir quoi dans cette nouvelle situation ? Il y a beaucoup de plaisir de devoir expérimenter maintenant, dans cet état-là, ce nouvel état. Et de la joie aussi de pouvoir se voir et s'observer, se sentir, se ressentir. Alors qu'elle prenne là aussi le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle est téléchargée dans toutes les parties, déjà précitées jusqu'au sens supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Alors, autre point, ses oreilles qui sifflent, donc souvent bouchées, voilà. Et puis surtout à gauche, c'est très pris jusqu'à la mâchoire. Qu'est-ce qui se passait là ? Avec une mâchoire très contractée d'ailleurs. La mâchoire contractée, c'est dû au fil qui arrive justement sous la mâchoire, comme ça. D'accord, mâchoire, donc la gorge contractée également, avec oui. L'expression. Hein oui, exact. Déformé. Okay. Bien, donc, bien sûr, c'est disparu. Qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer maintenant pour tout libérer ? Les oreilles, c'est les mêmes causes ? Oui. Bah, c'est surtout lié à la base ORL, ouais, par rapport au GPS. GPS. Ok. Bien, donc on va travailler toutes les parties concernées en même temps. Et qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer pour toutes ces parties ? Des mémoires traumatiques avec écho et résonance et des habitudes de fonctionnement et des programmes de compensation de l'élémental. Je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui. Alors on élimine tout ça sur tous les plans. Comme précité, 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme chacune des parties. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé ce qui doit l'être. Oui. On peut mettre un apport d'énergie spécifique pour toutes les parties, ses oreilles qui sifflaient, sa mâchoire contractée et sa gorge également. Oui. Allons-y. C'est bon. Vois-tu autre chose à faire ? Non, là, c'est correct. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, donc, les vertiges, regarde d'où ça venait. Son état général, je dirais, je revois le fil électrique. Elle est désancrée. Donc c'est les mêmes causes ou pas ? Oui, exact. Est-ce que ça a été réglé ou tu vois une intervention spécifique à faire là ? Non, c'était réglé. C'est réglé, ok. Les douleurs dans le dos, regarde.
les implants. Je viens de voir les cinq implants s'activer. Ok. Donc jusqu'au coccyx. Oui, avec le, oui, exact, l'implant de plomb, là, de titane. Voilà. Donc on va travailler toutes les parties concernées, toutes celles qui ont été impactées. Oui. Donc pour toutes ces parties, qu'est-ce que tu vois qu'il reste à éliminer? Alors, des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement et des programmes de compensation de l'élémentaire. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Comme c'était 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné Oui. et retissé. Et on peut inviter son élémental à mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées dans toute sa physicalité, ce qui a été vu et pas vu. Oui. Tu vois autre chose à faire? Non, c'est là, c'est correct. Pas d'énergie spécifique, tout est bien. Oui, ça va. Alors, stabilise, sécurise, planifie et concrétise tout ça. Oui. Voilà, donc en juin dernier, elle a fait une sieste et puis c'est comme si une scie tranchante, donc lui tranchait l'omoplate droite et la colonne vertébrale avec des douleurs. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai une sorte d'activation d'un implant en fait qui était posté. Un des cinq implants, en fait, c'est comme si les entités l'avaient activé beaucoup plus, je sais pas, fortement. Je sais pas exactement ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, ça a donné des décharges sur les omoplates. D'accord. Donc il en reste quelque chose ou ça a été travaillé avec ce qu'on a fait tout à l'heure? Ça a été travaillé, par contre, non, il y a des mémoires traumatiques dans son plan mental par rapport au rêve. Ok. Par rapport au rêve, alors on élimine tout ça sur tous les plans. Comme précité, 1, 2, 3. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui fait que les douleurs ont disparu depuis, ça fait à peu près une semaine? À l'approche de la séance, je dirais. C'est les fourmis, en fait, elles ont noté. Elles ont baissé la charge, en fait. Dans quel Et objectif? pour la garder sous la main. Afin comment dire, qu'on puisse pas forcément faire la séance puisqu'elle va mieux. Ah, qu'elle ait moins envie de faire la séance, elle s'en va venir. Ok, bon. Alors, tu vois des choses qui restent à éliminer ou pas de tout ça? Oui, il y a des traces traumatiques avec l'écho-résonance. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Comme précité, 1, 2, 3. Oui. Bon, tu vois des reconnexions à faire? Oui. Alors, tu reconnectes et réinformes tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie, vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné, retissé. Oui. Voilà. Et puis, éventuellement, le mot apaisant, hein, mais je suppose que ça a été fait pour les parties douloureuses, même si elle a plus mal. Oui, exact. Tu vois autre chose à faire? Voilà, c'est bon, c'est correct. On stabilise, sécurise, planifie et concrétise. Oui. Ventre gonflé et dur. Regarde pourquoi est-ce qu'elle a son ventre qui est gonflé et qui est dur. La réaction du plexus. Enfin, dans cette situation, son plexus était désorganisé, il me semble. En tout cas, c'est par rapport au plexus que c'est une conséquence, en fait. D'accord, c'est une réaction de l'élémental, c'est ça? Exactement. Oui. Bien. Qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant pour remettre en ordre? Alors, des traces traumatiques et des habitudes de fonctionnement et programmes de compensation de l'élémentaire. Bien, alors on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Là, on reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie vitalisée, Oui. équilibré, synchronisé, réaligné, retissé. Oui. On peut y mettre des énergies spécifiques pour dégonfler et
on va dire, remettre de la souplesse. Oui. J'étais en train de bloquer le plexus aussi. En fait, elle revitalisait, en fait. OK. Voilà, pour que ça puisse ensuite se remettre, ça va se remettre, en fait. Débloquer tout ça. D'accord. Voilà. Tu vois autre chose à faire? Voilà, c'est bon. Alors, stabilise, sécurise, prévise et concrétise. Oui. Bah donc, elle dit qu'elle a des dérèglements de la thyroïde depuis la naissance de son fils et en même temps la séparation avec son papa. Voilà. Donc, ça va être depuis 9 ans. Regarde qu'est-ce qui s'est passé exactement. La sphère émotionnelle et le plan mental est perturbé à ce moment-là. Et son dispositif avec les fourmis a accentué en fait, ça a accentué en fait son dispositif. D'accord, ça l'a activé plus fort, c'est ça? Et oui, exactement. Et c'est ce qui a donné cette problématique-là à la thyroïde. Bien. Qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer là maintenant? Des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des habitudes de fonctionnement et des programmes stabilisation et compensation de l'alimentaire. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Comme précité, 1, 2, 3. Oui. Là aussi, on reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Regarde sa thyroïde, comment la vois-tu à présent? Je la vois pulser correctement à la normale. D'accord. Donc elle est bien connectée avec tous les autres systèmes. Oui. Très bien. Alors stabilise, sécurise, pénalise et concrétise tout ça. Oui. Inflammation de l'ésophage, bah, je suppose que c'est les mêmes causes. L'œsophage. Oui. Oui. Là, ouais, il y a le fil électrique aussi. D'accord. Est-ce que ça a été traité avec ce qu'on a fait ou tu vois une intervention spécifique à faire? Non, ça a été traité. Donc pour l'inflammation, le baume a été mis. Oui. Parfait. Alors angoisse, stress pour tout et pour rien, peur de tout. Alors, regarde, qu'est-ce qui se passait alors? Le fait de ne pas se sentir stable, c'est son désancrage, hein. C'est toujours dû à l'ancienne situation énergétique. Donc cette sensation-là de ne pas avoir les rênes dans les mains de sa vie, donc c'est ça. D'accord. Bien. Alors, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant? Alors, des traces traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Donc là, je suppose qu'elle n'a pas ressenti que dans cette vie. C'est aussi directement en lien avec ces entités, la première fois, ou il y a une autre origine encore? La première origine, je la vois devenir malade. Lorsqu'elle est cette fée, c'est ça? Oui. Dans l'espace terrestre? Oui, et qu'elle. Au moment où la grille est en train de se construire et elle commence à perdre de sa vitalité? Exactement. Ça, c'est le premier traumatisme. Oui. Bien. Alors, tu vas aller à ce moment-là, mais tu vas revenir en arrière, tu vas trouver un moment juste avant et qu'elle subisse tout ça, au moment où elle est pleinement en équilibre. Oui. Voilà. Donc tu te présentes à elle à ce moment-là, tu lui donnes des informations de ce qui va survenir et tu vas l'inviter à s'y préparer. Oui. Et pour cela, on va la connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Comme si elle allait, qu'elle avait la certitude, de garder confiance dans tout ce qui va se dérouler.
Bien. Donc, elle est pleinement connectée, elle sait maintenant ce qui va survenir, elle sait que les choses ne changeront pas. Ce qui changera, bien sûr, c'est sa perception, sa manière d'être, ses ressentis. On est avec elle, OK avec ça? Oui. Alors, à présent, elle va passer par tous les événements jusqu'à la première incarnation humaine. Je veux savoir comment ça se passe pour elle. Voilà. Elle se sent forte déjà, je dirais, il y a une puissance intérieure, ce qui lui donne un calme intérieur. Elle a confiance en elle. Et même, Donc là, tu es dans la première incarnation. oui, j'ai même la sensation qu'elle a, pour la première fois, comment dire, elle n'a pas perdu ses repères. Ouais, elle se sent bien là, à sa place en tout cas. À sa place et en sécurité, Oui. et toujours dans le souvenir de qui elle est. Voilà. Bien. Qu'est-ce que ça les fait ressentir? Beaucoup de force et de puissance en elle. Donc il y a de la joie aussi de se ressentir en fait. Il y a de la joie et du plaisir aussi. Alors, elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle va passer par chacune des vies vécues, également intervie, jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Arrivée ici et maintenant, en tant que Meggy, dis-moi comment elle se sent, comment tu la vois? Il y a mes pieds qui sont en train de vibrer. C'est comme si elle s'ancrait, se stabilisait. Et à l'intérieur d'elle-même, je sens un grand calme, en fait. Un grand calme et comment on peut dire ça, de la sécurité intérieure. Voilà, je cherchais le mot. Très bien. Alors, tu as pris le temps de le ressentir, de l'apprécier, de savourer. Oui. Et puisqu'on est dans l'ici et maintenant, elle le télécharge dans toutes ses parties, déjà précité jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, on va passer à l'autre point. Donc, elle éprouve une gêne, voilà, sur son chakra racine sacré. Elle éprouve un vide, comme un trou dans l'utérus. Regarde pourquoi elle ressentait ça. C'était son chakra racine qui fuyait de l'arrière. Donc voilà, pour le racine en tout cas. C'est ce qui donne cette sensation. Enfin, j'avais ressenti une sorte de lourdeur, moi. D'accord. Donc avec tout ce qu'on vient de faire là maintenant, est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose à éliminer? Oui, il y a des traces traumatiques, hein, et des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Et maintenant qu'elle est pleinement connectée avec elle-même et pleinement enracinée, est-ce que tu vois autre chose à faire? Non, là c'est correct. Ok, alors stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, donc elle éprouve une grosse timidité devant des nouvelles personnes. Regarde pourquoi. Y a les entités démoniaques hein, qui étaient sur le plan émotionnel. Qui appuie sur des failles qui la bloquent en fait, justement de manque de confiance, image de soi, peut-être dévalorisation. D'accord, bon, avec tout ce qu'on a fait là, est-ce que j'ai encore ça quelque part ou pas? Il Non. n'y a plus rien. Non. Il reste rien à venir. Alors j'ai juste vu aussi quelque chose avec l'arbre. Il s'est activé en même temps, l'arbre généalogique. Oui. Comme elle n'arrivait pas à trouver sa place dans l'arbre, elle se sentait rejetée aussi. Ok. Donc au niveau de l'arbre, ça a été réglé? Oui. Elle a donc des liens toxiques à couper. Oui. Donc elle va tous les couper sur tous les plans, suivant le terme générique qu'on a élaboré. C'est-à-dire qu'il soit transgénérationnel, qu'il soit karmique, qu'il soit relationnel. Elle coupe tous les liens toxiques.
OK, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Est-ce que c'est bon pour elle? Oui. Tu vois autre chose à faire? Non, c'est bon. Comment tu la vois dans le futur, en relation, en lien, à la rencontre de nouvelles personnes? Elle est, disons que c'est fluide, c'est stable. Il n'y a plus ce ressenti-là de peur, de peur de d'aller vers l'autre. Ou la peur de se la rejeter aussi. Très bien, eh bien, c'est parfait. Alors, autre point, elle a du mal à se détacher du père de son fils. Donc, hein, ils ne sont plus en relation, voilà. Et donc, le détachement est difficile pour elle. Regarde, qu'est-ce qui fait qu'elle a du mal à se détacher de lui. Je vois un lien, en tout cas, entre eux, comme une sorte de lien karmique. Mmh. Un lien karmique? Je dis une sorte de lien karmique, j'observe qu'est-ce que c'est ce lien, parce que je les relis ouais. Encore. Du coup, ouais. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à se détacher. Faut que j'aille dans les vies antérieures, peut-être. Bah, regarde, si tu me parles de lien karmique, j'ai quelque chose à voir. Regarde où ça t'amène. Situation de couple également. Mais je dirais qu'ils ont inversé les rôles, ce moment-là. Ah, elle était masculin et lui féminin, c'est ça? Oui, et comment dire, c'est comme si elle, c'est comme si elle qui est lui, du coup, dans cette vie, ouais. ne laissait pas partir son épouse. C'est-à-dire que son épouse, elle demandait le divorce ou quelque chose comme ça, mais lui, il était contre. Et à une époque, on pouvait pas, de toute façon, les femmes n'avaient droit à rien. Ouais, tu es dans quelle époque et dans quel pays là? Alors, on est en Amérique, je dirais, du centre des États-Unis. Mmh. J'ai les États-Unis. L'époque, on est dans les années 1700, début, vraiment début de 1700. Et en fait, il l'a gardée la soumise. Donc, c'est Maggie, en fait. D'accord, oui, j'ai bien compris. OK. Bon. Mais allez, elle va couper tous les liens maintenant. Elle n'a plus besoin. Voilà. Toutes ces règles. 1, 2, 3, sur tous les plans. Non, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe quand elle coupe ses liens? Alors, celle qui est Maggie aujourd'hui, elle se sent soulagée. Et compréhensive, ça lui fait du bien, mais j'ai genre comme si sa vie antérieure ne voulait pas couper ce lien. Tu vois, c'est comme si elle était sur deux plans. Sa vie antérieure, elle veut pas couper ce lien. D'accord. Enfin, elle ne veut pas. Elle a coupé hein, dans tous les cas, mais on oui, sent oui. Qu'il y a une distance. C'est pas aussi fluide. Ok. Bien. Alors, donc, dans la vie antérieure, elle ne veut pas couper le lien. Qu'est-ce qui lui manque pour qu'elle veuille couper ses liens? J'ai une solution de repli. C'est-à-dire que dans sa vie antérieure, elle ne veut pas être seule. Enfin, monsieur ne veut pas être seul. OK. Bon, tu vas aller dans cette vie-là? Oui. Tu te présentes à elle, tu dis que tu viens de son futur et voilà, de sa partie d'elle de son futur. Qui est en difficulté. Oui. Voilà. Et tu lui dis que tu viens vers elle pour trouver une solution à cette situation. Oui. Et demander si elle-même est intéressée pour trouver une solution pour qu'elle-même se sente bien, donc avec ou sans sa partenaire. Il est très. À cheval sur un pacte en fait qui a été signé comme une sorte de contrat de mariage. Ah d'accord, ok, très bien. Pour ça. Bien, elle a signé le contrat de mariage, d'accord. Bon, mais à part ça, est-ce qu'elle veut quand même se sentir bien ou pas? Oui. Bien. Elle veut que nous l'aidions? Oui. Alors que là, tu vas connecter directement à la source pour faire descendre l'information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle à présent?
augmenter ses fréquences et s'est expansée. Elle se sent beaucoup mieux. C'est beaucoup plus lucide, j'ai le terme lucide. Bien. Alors, comment elle se sent maintenant avec l'idée de ce détachement? Elle est OK. Elle est OK? Oui. Alors, vas-y, c'est elle qui va couper les liens. Oui, ça y est. C'est libérateur. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant qu'elle les a coupés? Une grande libération au niveau du plexus. Bien. C'est beaucoup mieux. Et donc, avec sa partenaire, il accepte aussi de couper des liens? Oui. Alors, allons-y. Oui. Bien. Si tu reviens ici maintenant. Oui. Comment tu vois le père de son fils maintenant, Amélie? C'est comment je le vois, c'est assez correct en fait, en tout cas c'est fluide. Elle, ça la dérange plus, on va dire ça comme ça. Elle se sent au clair. Il y avait quelque chose avec la lucidité. D'accord. Alors est-ce que chacun se sent libre à présent? Exactement, oui. Qu'est-ce que ça fait ressentir à Maggie? Elle a la sensation de s'expanser, justement, de grandir. Cette libération-là, ça la grandit. Elle se sent sereine, elle se sent bien. Et elle se sent surtout elle-même, en fait. J'ai la sensation de me ressentir, en fait, moi. Et par curiosité, j'aimerais que tu regardes quel impact ça a sur leur enfant. Il est en trinité, il est au milieu et il a sa relation avec son père, sa relation avec sa mère, donc c'est bien, c'est bon pour lui. Qu'est-ce que ça a changé pour lui, le fait qu'ils aient coupé tous les liens et que chacun se soit libéré? J'ai la sensation, parce que j'ai eu le terme, qu'il se libère d'un poids aussi, lui aussi. Donc ça le libère d'un poids. Qui se sent énergétiquement, ils se sentent mieux. Très bien. Donc, comment se sent Maggie à présent? Vraiment bien. Calme et stable. Quand je dis bien, elle est alignée et stable. Alors, tu as pris le temps là aussi de le ressentir, de l'apprécier, de savourer. Oui. Et le ramène ici maintenant, télécharge dans toutes ses parties. Jusqu'au soir supérieur, établisse, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, voilà. Alors, autre point, donc, la manque de fluidité dans sa vie, voilà, tout est bouché pour elle, ici, puis où elle était au précédemment d'ailleurs, hein, que ce soit le travail et sa vie en général, qu'elle trouve trop lourde. Regarde, qu'est-ce qui se passait? Alors, les blocages en général, il y a son ancienne situation énergétique avec les entités démoniaques. Et puis le fait est qu'elle ne trouvait pas sa place non plus. Bien, donc ça c'est réglé. Qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer maintenant que tout ça est réglé? Traces traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine tout ça sur tous les plans. Comme précédé, 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et puis toujours en conscience de sa connexion avec la source, en ressentant sa véritable nature, cet amour qu'elle est, dans sa complétude, sa sécurité intérieure, sa paix profonde. Comment est-ce que tu la vois à présent dans sa vie en général? J'ai une personne ouverte vers l'extérieur, qui se positionne et qui est stable à la fois. Donc elle se sent bien dans son corps. Bien, alors elle va s'installer une programmation sur laquelle tout est possible, qu'elle mérite le meilleur et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement. Toutes les portes de l'abondance lui sont ouvertes sous toutes ses formes et dans la facilité, la grâce et le plaisir. Oui. Voilà, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise cette programmation. Voilà. Regarde si ces perturbations, c'est simplement une cause technique ou s'il y a une interférence, ces perturbations de connexion. Non, ce n'est pas l'interférence. C'est technique. D'accord. Bon, OK. Bien.
Donc, reconnectez-toi, Negui. Oui. Voilà. Donc, quand elle se pose la question, donc cette tristesse qu'elle éprouvait depuis toute petite, mais là, je suppose que maintenant, c'est réglé. Oui. Hein, elle se demande ce qu'elle fait ici. Alors, que lui répond son soi supérieur, même si déjà il y a eu des réponses tout à l'heure, qu'est-ce qu'il lui répond à cette question, qu'est-ce que je fais ici? Eh ben, on expérimente l'incarnation. Et en toute harmonie, je dirais. On redéfinit. Ah, j'ai encore cette âme-là qui me revient. On redéfinit et on explore l'incarnation. Tout est des connaissances. On prend des informations. Très bien. Des expériences et des connaissances. Ben voilà, tout simplement, il n'y a rien à accomplir, il n'y a rien à faire ni à mériter. Hein, simplement, suivant ton inspiration, et je pense que ça va être beaucoup plus simple maintenant. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, OK. Bon, le fait qu'elle n'était pas à l'aise dans son corps, donc, avec toutes ces conditions, on peut le comprendre. Tu vois d'autres raisons ou pas? Non, c'est celle-là. Ouais. C'est réglé? Oui. Bien. Et sa dernière question, est-ce qu'elle aurait eu des attouchements dans son enfance? Regarde s'il s'est passé quelque chose. Elle a des vagues souvenirs, regarde s'ils sont réels, s'ils sont créés, et voilà, si c'est extérieur ou pas. Regarde pourquoi elle a ces vagues souvenirs. Est-ce que ça correspond à des situations réelles? Alors, c'est une situation réelle, mais c'est d'enfant à enfant, en fait. Comment dire, elle a pris ça. C'est comme une expérience, tu sais, il y a des enfants qui font des. Oui, des enfants qui se découvrent et qui sont à touche pipi, quoi, en gros. Exactement. Hein, c'est exactement. Voilà. Sauf que elle, sa sphère, on va dire, plan mental et émotionnel, l'a pris comme un trauma, en fait, je dirais. D'accord, mal interprété, quoi, tu veux dire. Oui. Bien. Bon, autrement, à part ces événements-là, tu en vois d'autres avec des adultes? Non, mais ça me ramène à des mémoires antérieures. Ah, donc il y a des liens à couper karmiques? Des mémoires antérieures incestueuses avec un homme, un père. Ok. Donc là, oui. Là, c'est par contre, je suis sur le cœur du trauma, là. Bon, bah, très bien. Donc, elle va couper tous les liens, hein, sur tous les plans, OK? Oui. Allez, 1, 2, 3. Oui. Et maintenant, dis-moi s'il reste des choses à éliminer de tout ça. Alors, des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Allez, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. En fait, ce touche pipi, comme tu dis, ça a réactivé ces mémoires-là. C'était ça. Ouais, j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose maintenant encore? De quoi? Du touche pipi? Oui, de tout ça, de tout ce qui. Oui. Non, c'est bon. C'est réglé pour elle. Oui. Voilà, maintenant que c'est compris et que c'est résolu, c'est parfait. Eh bien, on va regarder maintenant son corps mental. Tu vas regarder donc toutes les programmations limitantes qui étaient existantes et les croyances, bien sûr, limitantes qui en découlaient. J'observe les programmations qui sont empilées les unes sur les autres. C'est très compact dans ces limitants avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance et ni la puissance nécessaire pour pouvoir passer au-dessus, aller au-delà de ces programmations. Bien, alors cette nouvelle ligne de temps avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pense à présent toutes ces parties? Elle peut facilement aller au-dessus et voir même les dégager de sa réalité. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant? Oui. Qu'est-ce que tu vois qui reste à dégager? Des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui.
Voilà, et toujours sur l'ancienne ligne de temps, maintenant tu vas regarder son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. Donc, le sentiment de ne pas être à sa place, j'ai aussi un sentiment de rejet intérieur qui me donne beaucoup d'angoisse, d'anxiété, de peur de pas savoir où je me trouve, manque de repères. Ce qui crée aussi beaucoup de tristesse, parfois de colère, mais c'est la colère de ne pas arriver à se sortir de ces états-là, le sentiment d'impuissance. Il y a beaucoup de fuite d'énergie, puisqu'on se bat dans l'incarnation, sans solution, avec une fausse image d'elle-même qui est créée. Voilà. Bien, on va regarder maintenant du côté des cinq blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Alors, il y a le sentiment d'injustice, d'avoir à vivre dans ces conditions-là d'incarnation, avec le sentiment d'humiliation que de ne pas avoir le choix, de ne pas arriver non plus à se sortir de ces états-là. La partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure de l'avoir rejetée, abandonnée, laissée là dans l'incarnation. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique. Alors, pour pouvoir fonctionner dans l'incarnation, elle s'est créée des bulles de protection qui l'empêchent, qui évitent des pics de souffrance, qui tentent de la maintenir en vie, si je peux dire ça comme ça. Mais elle se coupe de ses connexions intérieures. Qu'il a des encres aussi de plus en plus, amène à avoir de plus en plus de pertes de repères et une fausse image d'elle-même qui en est générée. C'est bon. Bien, alors je rappelle qu'il s'agit là bien sûr de l'ancienne situation pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qu'il resterait à éliminer de tout ça? Des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et au niveau de la personnalité, maintenant tu as toutes les informations, tu as toutes les compréhensions pour créer les changements nécessaires. Voilà, tu as essayé au niveau de situation, hein, voilà, pratiquer les ascenseurs, rencontrer de nouvelles personnes, prendre du plaisir à exister. Et même pas pour même pas mal, plume des canards. Hein. Bien, alors toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. Oui. Comment vois-tu mes guides à présent? Parfaitement reconnecté, aligné, stabilisé avec toutes ses parties d'elle-même. Il y a beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Ah, ok, prends le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Et elle installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'elle aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même si c'est là dorénavant en permanence. Oui. Elle ramène cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, qu'elle soit professionnelle, familiale, amoureuse, matérielle, financière, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source. Je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, comment elle le vit avec cette nouvelle compréhension et dans ces nouvelles conditions. Elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est et de le ressentir de son essence même, quelles que soient les origines, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les manifestations, les circonstances et l'espace et le temps. Et je rajouterai donc ça, c'est la clé pour tout le monde.
Et que ressent-elle justement au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Maggie? Alors, s'il y a beaucoup d'équilibre, ça pétille de joie, il y a un bien-être général, aligné, sereine et calme, et stable aussi, beaucoup de stabilité. Il y a beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors, elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Elle le rajoute à sa programmation. Oui. Et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et confiance en elle, et l'amour qu'elle est. Oui. Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. Oui. Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'aient été les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui. Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Revient ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Comment vas-tu, Maggie, à présent ? Elle est pleine d'entrain, de futurs projets. Il y a de la sagesse, je dirais. Elle se sent calme, elle se sent équilibrée, stable aussi. Il y a beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans cet état. Bien, alors ça va être le moment des invitations. Allons bien sûr son fils avec son père et la famille de son père. Voilà. Ses frères et sœurs et leurs familles respectives, ses parents et leurs familles respectives également, la famille en général, les amis de cœur, les connaissances, les relations, etc. Tous ceux à qui elle pense. Le chien, bien sûr, est invité, et les animaux de tout le monde qui eux sont invités pour la douche finale. Oui. Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation, donc sur tous les plans, et de profiter de cette opportunité qui est offerte. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter ? Avant cela, acceptent-ils tous un petit coup de pouce ? Oui. Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archaïque. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine. Avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun auront tous les packs, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun est également invité à couper tous les liens toxiques, selon le terme générique que nous avons évoqué, donc qu'ils soient karmiques, relationnels, qu'ils soient transgénérationnels, enfin, etc. Tous les liens sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3 pour tout le monde. Oui. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde également. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Chacun se place dans sa bulle critique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmée uniquement pour cette existence. Se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Maggie pour elle-même, chacun, bien sûr, adapté à sa propre situation. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, tous les animaux sont conviés.
Oui. Tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. Alors nous allons passer au désincarné, à nommer celui qui a été son grand-père maternel. J'aimerais savoir sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Sur le plan astral, dans sa propre bulle de réalité. Elle ressemble à quoi, sa bulle de réalité? Qu'est-ce qui s'est créé comme environnement? J'ai la sensation qu'il fait du bricolage. Il est dans un atelier, je sais pas, il bricole. Bien. Alors, identifie-le, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Oui. Tu peux communiquer avec lui? Oui. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie. Et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. Oui. Alors, on le connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il à présent pour lui? Il est sorti de cette bulle, il a augmenté ses fréquences, il s'est même expansé, il est super grand. Il se sent beaucoup mieux, il aime bien cette forme de liberté-là. Bien, que choisit-il de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Et continuer à la source. Il veut remonter à la source. Bien. Oui. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et il libère tout et tous. Oui. Et avant de remonter, est-ce qu'il veut s'exprimer envers Meggy et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés? Déjà, je voulais dire qu'il est très content et très joyeux. Il est vraiment bien. Il envoie de l'amour ben, tous ceux qui l'ont connu, avec les consciences qu'il a croisées dans sa vie. Il remercie Meggy pour le travail qu'elle est en train de faire. Il la félicite d'ailleurs. Voilà. Il est prêt à partir maintenant. Bien. Alors avant de partir, demande-lui s'il veut bien envoyer dans la lignée paternelle et maternelle de Meggy des énergies et des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité que lui. Oui. Allons-y. Oui. On va le saluer et le remercier. Oui. C'est bien. C'est bon, il est sorti de la fausse matrice. Oui. Bien, alors maintenant, ça va être le tour de la grand-mère maternelle. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Elle est sur le plan astral et dans sa bulle de réalité, elle cogite beaucoup. Il y a des perturbations psychiques, je dirais énergétiques, dans sa bulle. D'accord. Elle cogite sur quoi exactement? Surtout, tous les domaines, tous les aspects de la vie, je sais pas. Elle se pose des questions existentielles. Oui, entre autres, ou alors elle cherche des solutions. D'accord. Bien. Est-ce que tu peux communiquer avec elle? Ah oui. Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie et demande-lui si elle veut être aidée. Oui. Alors elle aussi, on la connecte directement à la source pour faire descendre l'information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle à présent? Elle a augmenté ses fréquences et elle est sortie de cette bulle. J'ai envie de dire, il y a comme un nettoyage à faire encore dans sa tête, au sexe, au niveau de la tête. C'est comme un Non. nuage, en fait, qui la lâche pas. Bon, on n'a pas terminé. Déjà, demande-lui ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Elle voudrait rejoindre la source. Bien. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et elle libère tout et tous. Oui, elle est d'accord. Allons-y. C'est bon. Comment elle se sent maintenant? C'est comme si elle se reconnaissait plus, mais elle se sent très bien. Beaucoup mieux qu'avant. Bon, il n'y a plus rien à éliminer là maintenant? C'est bon? Non, c'est bon. Parfait. Alors, donc, demande-lui maintenant avant de remonter si elle veut bien
Si elle a des choses à dire à Meggy, si elle veut s'exprimer envers Meggy et tous ceux qu'elle a aimé côtoyer. Elle prend Meggy dans ses bras, elle est super contente de la voir, elle l'embrasse, elle envoie beaucoup d'amour, elle la remercie aussi, beaucoup d'amour et de fierté. Et elle va diffuser aussi des graines d'amour un peu dans les autres consciences qui sont restées encore sur Terre. Voilà. De la perspective où elle est, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qu'elle a vécu en incarnation et de ce qu'il y a derrière? Qu'elle était surtout malmenée par des entités démoniaques, c'est ce que je vois en premier lieu, elle s'en rend compte aussi, et que c'est ce qui lui donnait beaucoup de cogitations, de problématiques de santé aussi, je crois, elle a vu. Donc elle voit le système de prédation, voilà, elle a compris que c'était que du faux, enfin que c'était voilà, de la manipulation. Très bien. Et bien maintenant qu'elle en sait plus, on peut aller la saluer. Oui. Voilà. Elle est partie? Oui. Très bien. On revient à Meggy. Oui. Alors, regarde s'il lui reste des liens toxiques. Oui. Elle les coupe tous sur tous les plans. 1, 2, 3, complicité. Oui. T'en vois d'autres en arrière-plan? Non. Alors, elle va couper tous ses liens de ses noms et prénoms avec les systèmes de la fausse matrice. Elle ne conserve bien sûr que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, l'ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps ou toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaire, délibéré et éclairé. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et après l'élimination des codes matriciels limitants, j'aimerais que tu regardes, en ce qui la concerne, s'il resterait quelque chose à éliminer de cette fausse matrice. Non. Bien. Alors, donc, elle récupère de son espace moronciel, elle récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, crène de vie et double de muscade activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Alors, il suffit de penser, hein, activation du point zéro, et ça s'active. Voilà. Et je rappelle qu'il ne s'agit nullement d'un implant, c'est juste une métaphore. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux ressentir également, profiter. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celles du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qui le nécessitent, elle place sa conscience dans l'espace moronciel. Oui. Et pour chacune d'elles, elle fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création active dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double de muscade activée. Oui. À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting.
Oui. C'est le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectées et combien sont activées. Il y en a 6 et 5 d'activées. Est-ce qu'elle peut activer la sixième? Oui. Allons-y. C'est bon. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va activer des potentialités. C'est bon. Voilà. Donc elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? De 8 à 13 mois. De 8 à 13, est-ce que tu as des effets rapides et lesquels? À ce bien-être général. Une stabilité intérieure, en tout cas. Bien. Est-ce que tu as des inconforts durant ces 8 à 13 mois, dû à la métabolisation? Donc, durant ces 8 à 13 mois, plus ou moins, suivant bien sûr la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance. Il y a des sensations de retour en arrière parce que les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés. Donc le mental égo, il se sent en insécurité. Il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Alors il suffira à Maggie, bien sûr, de se souvenir de ce qui a été dit, voire de le réécouter pour bien comprendre ce qui se passe exactement, bien l'intégrer. Et dans ce moment où il te semblera que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est souvent ce qui arrive, c'est normal. En restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes tes parties qui feront le travail. Plus courte pourrait être aussi ta métabolisation, et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, la balle est dans ton camp. Et je rappellerai une fois de plus, si c'est nécessaire, que je proscris fortement de faire des soins énergétiques et quantiques durant au moins la période de métabolisation, pour ne pas détricoter ce qui a été installé. Et pour soutenir toutes les parties de Maggie, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie et dans sa meilleure version, je veux savoir comment elle se sent. Elle se sent équilibrée, reconnectée, stabilisée. Il y a beaucoup de calme et de sérénité intérieure. Elle est posée, et à la fois ça pétille, beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Donc tu vois l'intérêt de te rappeler d'appliquer nos recommandations. Hein. Et donc elle prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer, de déguster tout ça. Oui. Et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, sa donnée mentale, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui. Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références, et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, à présent, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu vois son appartement. Il y a des énergies discordantes, je dirais. Ça forme comme des bulles, en fait. Comme si c'était des trous vides, mais c'est des énergies discordantes, de toute façon, liées à son ancienne situation énergétique. À l'ancienne situation, ok. Regarde les sous-sols, dis-moi si tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Non. Bien, alors elle va faire une puissante tournée, elle va tout nettoyer. Voilà, y compris la mémoire des murs, meubles, objets, caves, graniers, garages, greniers, etc. Partout où elle sait que c'est nécessaire. Oui. Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double muscat activé et sécurisé. Oui. Sur son compteur électrique qui est linké, tu vas créer un multicouche que tu programmes. Oui. Par-dessus, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Et par-dessus encore, fleur de vie, graine de vie et double muscat activé et sécurisé. Oui. Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie. Oui.
et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. Oui. Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle de protection, elle également, et bien sûr son fils, et les autres occupants s'il y en a et s'ils le veulent, et le chien, évidemment. Oui. Voilà. Maintenant, tu as programmé les protections des différents états de conscience et tu sécurises. Oui. Relier le début et la fin de la séance et tu sécurises également. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut y mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Et ne pas hésiter à s'en servir. Et par-dessus, fleur de vie, graine de vie et W4 activée. Oui. Et autour, son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et on sécurise. Oui. À présent, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation, des débuts jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Voilà, donc on va passer pour l'après-vie, puisque ça a été fait avec la suppression des codes matriciels limitants. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Stabilise, sécurise, prénise, concrétise. Oui. Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant, elle est directe, libre et sécurisée avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il l'écoute ? C'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités d'activation. Alors, il suffira bien sûr à Meggy de se souvenir de ce qui a été dit, mais surtout de le mettre en pratique. Comment vois-tu son âme ? Elle s'est expansée, elle est vibrante. Et sa partie subliminale ? Elle s'est stabilisée, renforcée, proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Meggy, en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail ? Oui. Alors, je rappelle que tous les animaux sont invités. Et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous cette eau de très haute fréquence, composée de sons, lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ses énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule lumière de chacun, installe fleur de vie, graine de vie et W4 activé. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Meggy et quelle est-elle à présent ? Avant la séance, bien sûr. De 59 et maintenant de 183. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour ? Oui. Alors c'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Oui. Coucou Laetitia, ça va ? Oui, ça va. À nous Meggy, tu peux remettre le son et nous t'écoutons. Oh, je t'entends pas.
quoi? Alors enlève ton casque, ce sera peut-être mieux sans le casque, peut-être. Est-ce que c'est bon? Ah oui, c'est beaucoup mieux. Allez, raconte-nous tout. Oui, bah, ça résonne, tout résonne, quoi. C'est exactement ça. Et à la recherche constante d'équilibre et cette impuissance de ne pas le trouver, même en essayant de m'aider constamment. Ce sentiment d'impuissance a beaucoup résonné et le fait de se sentir rééquilibré après, ça fait du bien. Je me sens. Enfin, j'ai beaucoup eu besoin de respirer, c'est plus fluide et j'ai senti comme une expansion. Voilà. Donc tout ce qui a été dit et vu, ça a donné du sens à ce que tu as vécu. Voilà, exactement. Et je ressens déjà, j'ai ressenti quand même beaucoup de choses à l'intérieur. Comme quoi, par exemple? Bah, comme des soulagements déjà. Et puis ça a bougé à l'intérieur. Je sentais qu'il y avait des choses qui se passaient et vraiment cette expansion, comme si je me sentais un petit peu, enfin, plus grande. Voilà, comme si c'était, bon, c'est différent en fait. Bien, bah écoute, tu connais mon conseil de revoir ta vidéo. Tu as compris qu'il y a énormément d'informations. Donc, au fur et à mesure des écoutes, tu as des compréhensions qui vont s'affiner. Et dans ces fameux moments de métabolisation où ça pourrait être inconfortable, n'hésite pas à refaire ta séance du début jusqu'à la fin, tout en sachant bien sûr qu'au début, les entités ne sont plus là. Tu es parfaitement libre. Que tu n'aies pas cette appréhension, que tu sois dans une vraie sécurité intérieure. Hein? Faut bien garder ça à l'esprit. Hein. Maintenant, c'était avant. C'est juste pour, hein, voilà, pour recréer la ligne de temps en cas où tu aurais eu tu vois, un événement émotionnel où tu t'es senti déstabilisé. Hop, je refais ma séance et je remets les rails en place. Voilà, tout simplement. Hein? Voilà. Bon, écoute, ben, merci à toi, merci à Laetitia. Merci à vous deux. Et puis, ben, j'espère que tu nous auras des nouvelles. Tu me diras par mail comment les choses se passent pour toi, quand tu voudras et si tu vas. Hein? Comment ça bouge, ça évolue, voilà, ça résorbe, enfin, À tout ce tout. qui va se passer. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de ta séance alors? Est-ce qu'on peut la publier? Bah oui, ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut la publier en clair? Là, j'ai pas compris. Est-ce que tu veux être flouté ou non? Bon, c'est bon, on va laisser le visage. Magnifique. Bon, C'est un gros effort. ça va, tu es quand même à l'aise avec ça. Oui, c'est bon, ça va. Hein? Oui. D'accord. Hein? C'est important que tu te sentes à l'aise avec ça. Hein? Oui. D'accord. Bon, mais écoute, bah, j'attends tes nouvelles. On va te souhaiter une bonne métabolisation. Hein? Merci beaucoup. Et plein de belles et bonnes choses pour toi alors. Merci énormément. Et j'attends de savoir bah, ce que tu sauras faire de ce que tu t'es offert. Oui. À très bientôt, Meggy. À bientôt. Voilà.